Ils ont envoyé l'école. L'école là. Vraiment, ça a arrêté. Nous, là, on a arrêté. Elle dit quoi? Elle dit qu'ils ont bloqué l'école. Et puis, hôpital. Bloqué l'école comment? Et puis, hôpital. Ils ont construit l'hôpital. Non, non, doucement, doucement. Comment vous avez fait pour bloquer? Ils ont construit l'école là-bas, c'est ça? Ils veulent construire quoi? Ah, on peut construire. Et puis, c'est bloqué. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait école, que les enfants ont donné cadre, vous allez manger. Vous ne voulez pas ça? Ah, pourquoi vous êtes comme ça, vous là? Qui a gâté la jeunesse? Ils deviennent truies. Il y a les gens qui devaient devenir les grands footballeurs. Vous avez tout gâté leur football, tout ça. Dans le village, c'est comme ça. Qui fait ça? C'est notre groupe là qui fait. Il doit être 23h chez vous là-bas, chez nous il est 20h, il est 0h. Voilà, avec le temps. Ah, quels sont ceux qui sont dans. Tous ceux qui sont détenus, que ce soit des enfants, tout ça. J'ai besoin de tout le monde ici qui veut bien parler. Voilà. Je vous écoute. Merci, ça aussi. Oui. Maman. Il a tué mes enfants. À Sénéry, là, je suis née avec. Il a tué mes enfants. Abraham. Bien, votre. Ça, ça enregistre, non? Ouais. Ok. Oui. Il a tué 4 enfants. Bête, ou pas les frères? Et puis, mes frères, il a tué 3 frères. 3 grands frères. On peut avoir quand même le nom des frères qui t'ont tué? Il y a Adama, il y a Katina. Adama, là, c'est Adama et son nom. Il y a Katina. Adama quoi? Adama, connaît Adama. Mm-hmm. Il faisait quoi? Il est implanté. Où? Chez moi au village. Chez vous, ça au village? Katina. Et comment tu l'as tué? Je l'ai attiré. Il me suis transféré à chez Kafa. Hein? Kafa. Comment elle dit? Elle dit quoi? Elle s'est transformée en Kafa. Kafa, et puis je suis entrée en bas. Tu parles au en bas de la porte. Maintenant, dedans là-bas, ici, c'est devenu l'homme, et puis il a appelé son nom. Maintenant, tu t'es transformée en Kafa. Voilà. Pour rentrer dans sa maison, sous la porte, arrivé là-bas, tu es devenu homme. Et puis, il lui a appelé 3 fois. Maintenant, il a pris son nom. Il a pris son nom. Il l'a appelé 3 fois pour prendre ton nom. Il a pris son nom, je l'ai amené. Vous êtes combien dans vos groupes? On est 9. 9 personnes. Ok. Toi déjà. Donc, donne le nom de 8 autres personnes. Il y a Cécile. Cécile quoi? Elle est française. Cécile, Ouaga Cécile. Elle est où? Elle est à Abidjan. Elle fait quoi? Elle fait ça va arriver. Et puis, il y a, oui. y a Madeleine. Madeleine? Madeleine quoi? Parce que Madeleine, il y a beaucoup, hein. Moi, on en connaît ici, mais elle n'est pas sorcière. Mais toi, ton Madeleine, là, c'est quoi? Ta Madeleine, là, c'est quelle Madeleine? Ah, en tout cas, elle est dans le groupe aussi. Oui, mais c'est qui, Madeleine? Toi, ta Madeleine, c'est qui? C'est Otongle. Son papa, c'est Chouzi. Truc Madeleine.
Elle est au village là. Quel village? À la Kota. À la Kota? C'est là-bas qu'elle vit à la Kota. Moi-même, je suis mariée là-bas. Où? À la Kota. Ton village, c'est la Kota. Où tu es mariée? C'est la Kota. Moi, mon village est Katula. Je suis mariée. Ouais, où tu es mariée? C'est la Kota. À la Kota ville. Voilà. En ville de la Kota. La Kota devant. Comment ça s'appelle? Agogne. Ah, mais si tu ne veux pas, tu nous fatigues. C'est Agogne. Mais Gogne, là, c'est mieux que la Kota. Tu ne veux pas dire Gogne, tu dis la Kota, tu fatigues l'esprit des gens, cherche aussi. La Kota en ville, non, c'est pas en ville, la Kota devant. Pour pouvoir ce qui est, n'est pas loin, on en est sacré. Qui encore? Il y a Akuba. Donc, Madeleine, la, ta madeleine, elle a gagné là-bas. Elle a gagné. Qui encore? Il y a Akuba. Quoi, Akuba? Hein? Allons dire une petite fille qui en est parlé. Son nom de papa, Kwadjo Akuba. Et puis il y a Delphine. Il y a Delphine. Il y a sûrement des femmes. Il y a des garçons. Il y a Raphaël. Raphaël, il est Raphaël quoi? Zadi Raphaël. Il y a Zadi Raphaël. Il est où? Il est mort, lui il est mort. Où il n'est pas replacé? Il y a son fils. Il s'appelle Eric. Hein? Son fils s'appelle Zadi Eric. Zadi quoi? Zadi Eric. C'est lui qui l'a remplacé. Et puis, deuxième là aussi, il est mort. Et son fils est là. Et vous faites quoi dans le village là-bas? On est dans notre groupe. Mais le groupe là, fait quoi? Vous dansez seulement ou vous faites quoi? Moi, seulement, je suis venue. Madame, répondez à ma question. Votre groupe là, c'est pas pour aller faire sourire la platanie dans vous, non. C'est pas pour aller courir derrière la maison. Oui. C'est sorcellerie, non, faites, non? Oui. Et madame? Oui. Hein? Oui, papa. Vous faites quoi dans le village? Quand vous êtes dans le village, c'est pas pour aller narrer des gens. Vous faites quoi? On fait ça, c'est les... Quel genre? On tire les gens. On tire les gens. Et puis, l'autre tire, et puis il envoie. Vous avez gâté quoi dans le village là-bas? Papa? Vous avez gardé quoi dans le village? Dans le village, on est dans notre groupe, vraiment, on gâte les choses des gens. Mais c'est pas chose là, c'est quel nom? On tire. Bon, ça, tuer, je sais. Vous gâtez quoi? À part tuer, vous gâtez quoi? On gâte la vie des gens. Hmm? La vie. Tu vois que tu entends des ronds salons. Explique-moi réellement quelle vie vous gâtez. Quoi vous gâtez? Bon, c'est seulement vraiment moi, la vie de mes enfants. Hé, hey, madame, toi tu n'es pas une petite sorcière. Tu n'es pas une petite sorcière. Tu joues quel rôle là-bas? Ils m'ont demandé de donner mes enfants. Hein? Donc c'est toi un envoi à mission pour tuer là. Madame, je parle de vous qui m'écoutez. C'est votre problème. J'en face, j'ai affaire à vous. J'ai pas affaire à ceux qui sont pas là. Oui. Dans vos groupes, là, vous êtes neuf. Donc, dans les neuf, là, c'est toi un endroit pour tuer, c'est ça? Mm.
Vous n'entendez pas ce que j'ai dit. Dans le groupe là, c'est quel rôle tu joues? Tu fais quoi? J'ai dit. Ah! Tu as vu, comme tu entends de mettre du temps, madame, vous êtes combien dans vos groupes? On est 9. Il est 9 sorciers, vous êtes dans quel village? De Côte d'Ivoire. Dans. Votre village? Ah, c'est nos villages de sorcellerie là-bas. Oui, c'est quel village? Ah, des fois on va vers Gagnoua. Oh là là, ça n'a pas de nom. Ah, Gagné, Gagné. On est dans Gagné. Petit. On est dans Gagné. Voilà, donc il y a 9 places sorcières là, c'est dans Gagné. Ok, donc toi tu joues quel rôle dans ce groupe là? Dans le groupe là, j'ai tué. C'est toi, on envoie pour aller tuer. Hein? Oui, papa. D'accord. C'est... Ok. Et ça, tu reconnais ça? Oui, papa. Est-ce qu'on t'a forcé pour parler? Non. Ça, tu ne pourras pas nier ça demain. Hein? Non. Est-ce que demain, tu ne pourras pas nier ça? Non. Non, non, papa. D'accord. Est-ce qu'on t'a forcé pour parler? Non. Quelqu'un t'a attaché, quelqu'un t'a forcé, quelqu'un t'a mis ça dans ta tête? Non, papa. Alors, donc, c'est ce que tu fais là que tu as dit? Oui. Ok. Donc, on t'envoie pour tuer les gens. Donc, on t'envoie en mission, ça veut dire que vous avez beaucoup tué. Oui. Voilà, comme c'est toi qui tues, vos groupes là, vous avez tué combien jusqu'à aujourd'hui? À Gagné. On a tué 160. Ah, mamie, c'est toi ce qui a tué 160 ou bien c'est tout le monde? J'ai tué et puis les autres aussi, si ils s'en vont aussi, ils envoient. Donc ça fait oui, 100. Donc toi seul, tu as tué 160. Moi, j'ai tué 160. Très bien. Ça, c'est exact. Tu as tué 160. Ok. Alors, moi, ça m'intéresse de savoir. Qu'est-ce que vous faites dans le village? Vous avez gâté quoi dans le village? À part tuer, vous avez gâté quoi? Dans le village, bon, on gâte les trucs, les mouvements, les choses dans le village. On hein? Gâte les trucs réussis dans le village. La vie, tu es nous aussi ou bien? Tu parles de nous aussi? Papa, je dis. Il a dit, on gâte les trucs pour ne c'est pas que les choses... Mais ce truc-là, je veux savoir quel truc. Non, le nom de ce que tu as gâté. Ils ont envoyé l'école là. Vraiment, ça a arrêté. Nous, on a arrêté. Elle dit quoi? Elle dit, ils ont bloqué l'école. Et puis, hôpital. Bloqué l'école comment? Et puis, hôpital. Ils ont construit l'hôpital. Non, non, doucement. Comment vous avez fait pour bloquer? Ils ont construit l'école là-bas, c'est ça? Ils veulent construire quoi? Ah, on veut construire. Et puis, c'est bloqué. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Et puis, quoi encore? Comment vous allez faire pour bloquer ça? On est passé par les ceux qui allaient faire travaux là. Non, 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 c'est là qu'ils ont annulé. Je ne veux plus. Donc, vous ne voulez pas qu'il y ait école, que les enfants ont donné cadre, vous allez manger. Vous ne voulez pas ça. Ah, pourquoi vous êtes comme ça, vous là? Oh là là là. L'éducation qui apporte le développement, vous gâtez ça. Vous avez gâté quoi encore? Et puis, à l'hôpital, ils ont conseillé. On n'a pas. Depuis là, ils n'ont pas encore travaillé dedans. Ah, c'est fermé encore. Et vous gardez là. Comme ça, vous allez bien manger, les gens. Vous ne pas se soigner, vous allez manger. Après, si vous allez faire pour un matin. Comment on va déjeuner avec Niam, comment on appelle ça en Bavière? Un bon. Un bon. Oui. Comme ça, vous allez faire un bon, manger. Donc, c'est vous qui avez bloqué ça. Comment vous avez bloqué l'hôpital? Qu'est-ce qu'on doit finalement faire? Comment on doit faire? À Gagné? Ah, on a mis le cœur de oublier.
Madame, ce n'est pas que vous avez oublié. Vous avez fermé l'encadenat. Hein? Oui. C'est l'encadenat que vous avez fermé. Nous, on connaît. Quand on ferme l'ouverture, il n'y a pas d'ouverture, là, c'est dans le cadre de l'ouverture. Moi, on connaît ça. Et quel est l'ouverture? Pas vrai. Hein? Oui, c'est ça, papa. Hein? Il a dit ça, papa. Mais tu as su que je suis obligé de dire ça? Non. Non. Donc, nous, ça nous intéresse. Est-ce que vous êtes d'accord, vous les sorciers, là, de Gonyen, là? Est-ce que vous voulez que... Parce que l'école, c'est le développement. Qu'on appelle l'hôpital sur le développement. Comment on doit faire maintenant pour que ça marche? On fait comment? Papa, vous allez nous aider. Hein? Vous allez nous aider. Aider quoi? Lady, tu vas nous aider. C'est moi qui t'ai envoyé. Non. C'est moi qui vous ai envoyé du fait. Donc, je demande qu'est-ce qu'on doit faire. Demande pardon. Hein? Demande pardon de nous. Non, moi je suis un homme. Moi je suis en train de t'aider, je suis en train de vous aider. Mais il faut que tout le monde sache aujourd'hui dans vos villages que c'est vous. Donc il faut parler dans vos langues. Dis aux gens que c'est vous là. Vous, toi et ton groupe, la sorcellerie là. C'est vous qui avez fermé l'hôpital de Gonyen. C'est vous qui faites que l'école. Il faut parler. Je veux entendre ça. Tu parles quoi, Dida? Il parle de Dala. C'est ça? Mmh. Il parle aussi de Dala. Hein? Oui, il parle de Dala aussi. Alors, donc, il faut parler. Ah, mais moi, je suis un peu. Gagné là, Souklou, les docteurs, Anna, elle a appelé. Gagné là, c'est combien? Gagné là, c'est neuf. Hein? On est neuf. Mais tu ne vas pas dire ça en disant, il n'y a pas son nom en disant. Aïe, Bofiana. Et qui peut dire le nom? Madeleine, Cécile, Né, Sita, Né, Delphine, Akuba, Zadi, Blaise. Zadi Raphaël. Alors, non, il faut t'adresser maintenant au village, ça au village, tu dois demander pardon. Que c'est maintenant, là, tu leur dis la vérité. Il faut dire ça au village. Regarde-les et dis que c'est maintenant, tu dis la vérité. Leur problème, là, c'est vous. Ce n'est pas moi, c'est à eux, tu dois demander pardon. Que c'est vous qui les maltraitez. Ah, vas-y. Si c'est Non, Ami, ça veut dire c'est toi. Agne. Est-ce que c'est toi seul? Ami. Ami, il y a mon docteur. Pourquoi? Soukouloua. Ami, il y a mon. Donc, Ami, il y a mon bras, il y a mon. Allez, bois, fille, là. Là, il y a mon. Alors, bois, fille, là, vous êtes quoi? Tu n'as pas dit le nom, vous êtes quoi? Il y a dit neuf. On est neuf. Mais vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Neuf quoi? Neuf. Sorcier. Mais dis ça. Neuf sorciers, sorcières. Non, mais en titan. Ah, allez, bois fier là, boum, bois fier là. Hé, hey, rien d'ici. Allez, boum, bois fier. Et si on te demandait ça demain, devant le village, tu es capable de dire? Tu es capable? Oui, papa. Ah oui, parce que nous, ça nous intéresse, il faut que la Côte d'Ivoire avance. Les gens pensent à votre le développement, vous partez, vous détruisez. Qu'est-ce que vous allez faire là où on doit construire l'école? Vous allez faire quoi là-bas? Parce que l'hôpital vous dit que c'est cadenas. Maintenant, là, part, l'école, là, vous allez faire quoi là-bas? L'école, là, c'est lequel on a fait. On les a fait oublier. Quoi. Puis, comment? En faisant quoi? Vous allez faire quoi? On est rentré par l'air pour laisser ça. Qui l'a envoyé chier là-bas? Gounini, qui allait faire Gounini? Gounini là, c'est un autre, mais c'est pas moi. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Madeleine. C'est elle l'a envoyé pour faire Gounini.
Elle a le permis de co. Vous connaissez Minuko? C'est un gros caca là même, la tante qui vient, c'est pour l'homme, Minuko. C'est gros comme ça, même quand c'est chi, ça peut pas, l'eau peut pas amener ça, on a besoin de Minuko. Donc qui a fait Minuko là-bas? C'est Mandela. C'est vous qui l'avez envoyé? Oui, c'est notre groupe. Vous avez vu dedans aussi? Et après, vous avez fait quoi encore dans le village? Dans le village, ça va. C'est ce qu'on a gâté la pierre. C'est ce qu'on a gâté la pierre. Quelle boisson vous donnez aux gens qui boivent, les jeunes là, qui se droguent, qui boivent, coutoukou, qui droguent? Qui fait ça? Les jeunes, la jeunesse que vous avez gâté là, qui fait ça? Non, papa. Les autres, la mémoire, en tout cas, ils n'ont pas fait ça. Je vois ce que j'entends de dire, parce que la vie des gens, nous, ça nous intéresse pour les libérer. Mmh. Voilà. Qui a gâté la jeunesse? Ils deviennent tous. Il y a les gens qui deviennent les grands footballeurs. Vous avez tout gâté leur football, tout ça, dans le village, c'est comme ça. Qui fait ça? C'est le groupe, là. Il y a un groupe, là, du coup. C'est notre groupe là qui fait. Mais explique-moi comment ça se passe. C'est le groupe là, il y a Ceci, il y a Ceci, il y a Madeleine, voilà, et qui tombe, qui font ça. Alors, tu as envie de parler ou bien tu forces? Je te force ou bien tu as envie de parler? Si tu as envie de parler, tu me dis, je te laisse. Non, je vais parler. Oui, parce qu'il ne faut pas venir jouer la vie. Les jeunes de ce village, vous avez tout bloqué. Vous avez bloqué les diplômes, vous avez truc. Vous, le nouveau canari, vous avez mis diplôme des enfants. C'est où? C'est où? C'est caché où? Les groupes là sont beaucoup, papa. Moi, je parle de pour toi. Vos groupes là, parce que tout le monde sait, toi-même tu sais que vous avez un canari, tous les diplômes des gens, vous avez bloqué ça dedans. Toi, tu sais. C'est pas ça? Toi, tu sais, vous avez bloqué les diplômes des gens. Et encore, la chose, c'est que les jeunes, vous leur avez donné boissons, qu'on appelle drogue, vous avez tout gâté. Tu sais? Bon, est-ce que je suis en train de te forcer? Non. Alors, donc si tu veux, si tu n'es pas prêt de dire que ce que tu dis est. Oui. Est-ce que ce que je dis là, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas faux. Hein? C'est pas faux, papa. Mais pourquoi tu dis pas ça? C'est pas faux. Hein? C'est pas faux. Hein? C'est vrai. Tu es la femme de qui? Au village d'abord. Je suis la femme de. Il s'appelle Dédi Albert. Hein? Dédi Albert. Lui, il est quoi au village d'abord? Il est chef du village. Il est chef du village. Chef central. Et puis toi, tu joues comme ça dans la vie des gens? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire? Je vais vous dire de m'aider. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. C'est que tu as fait de mal à mon groupe là, c'est ce que je veux entendre. Sinon, aider là, c'est ce que je suis en train de faire. On a fait vraiment du mal. Ah, vous avez fait du mal? Faut parler à Dida, faut t'adresser à Bonnie. Faut parler à Dida, tu m'as dit ça? Abba Nyokwe, ça veut dire que vous avez tué. C'est pas mal. Vous avez tué, bien sûr, tu dis mal, vous avez fait du mal. Donc, c'est ce que tu dois dire. Anou Abba Nyokwe. Abba Nyokwe. Baba. Où? Abba Nyokwe, Grouillez-moi. Goudi. Goudi, là, c'est où? À la sorcellerie. Où? Dans le cas de sorcellerie.
Mais quand c'est où dans quand là? Ça est dans Goyen. Quand on a fait du mal pour Goyen. Ah, c'est le mal là. Bon, madame, madame, j'ai l'impression qu'on entend de te forcer. On te force. Non, vous ne me forcez pas, papa. C'est Goyen. Mais faut descendre dedans. Eh, il parle à côté là-bas. Goyen. C'est vous. Goyen. Donc, Goyen, on est bien à nous, l'objet. Gonya ne anu lobe a ne a banyo pe a gudia anu group a ale bofia na ye guru a. Mais quand tu dis anu lobe, ça veut dire qu'on travaille à part vous, c'est-à-dire vous faites sorcellerie. Quand tu dis lobe, c'est travail, c'est travail de maçonnerie. Non, anu en fait lobe de sorcellerie là. C'est français, toi t'es française. Guru yeri. Aye guru ane guru kwa ale gbofia na aye guru gonya na ne ane aka guru wura le ne abanyo pe anti papa chef abanyo pe na anu anyo pe la popo anu dota yon se dit que tu regardes les gens et tu les gens gâtes les gens. Et tout ça. C'est tout ce que vous avez fait? Oui. Les gens, vous avez gâté. Ils n'ont plus actuel à Abidjan, qui sont partout. Vous avez gâté les diplômes, tout ça. C'est ce qu'ils ont de savoir. Tu as beaucoup de choses à nous dire. Hein? Oui, tu as beaucoup de choses. Comment tu t'es retrouvé dans ce centre-là? Tu es venu comment? Papa, il est passé à vous, il a dit ah. Non. S'il te plaît. Il ne faut pas me jouer. Tu as pensé à moi. Tu me connais ça, non? Non, on dit mon nom. Comment on dit mon nom là? Comment tu es venu? Ça, je suis venu. Comment tu es venu? Comment? Papa, je suis venu, mais pardonner pour m'aider. Comment? Donc, tu es quitté seul là-bas pour venir? Non, je suis venu avec mon fils, mais on lui a appelé Eugène. Donc là-bas, quand tu quittais là-bas, c'était pour venir me voir. Je suis venu dans le camp pour délivrance, papa. Et tu as dit ça à qui quand tu venais? J'ai dit ça à mon fils et puis mon mari. Et ton mari, tu as dit? Papa. Tu as dit à ton mari? Oui, papa. Et ton mari dit quoi? Il m'a dit oui. Hein? Il a dit qu'il a compris. Pourquoi tu n'as pas compris? En tout cas, lui avait moi là vraiment. Je ne sais pas si il va venir. Il lui a dit, m'a dit hein, au parti. Tu lui as dit comment de venir? Je lui ai dit qu'il m'avait dit vous. Dis vous là pourquoi? Il m'avait dit vous voir l'homme de Dieu. Pour faire quoi? Pour la délivrance. De quoi? Les sorcelleries. Et lui, t'as dit, quoi? Oui, il dit oui. Oui, papa. Il n'a pas eu peur. Donc, il sait que tu es sorcière. Oui. Il sait. Oui. Depuis quand il sait? Quand il m'insulte, il dit ça. Oh non. Je ne vais pas insulter, il dit. Donc, il sait que tu es sorcière. Et puis, il a fait comment pour te. Quelle démarche il a menée pour qu'on te délivre? Ah, il ne fait rien à cause des amants aussi. Il dit, ah, il veut aussi aller me chercher. Mais ce n'est pas un pasteur qui t'envoie ici? Oui, pasteur. Il est bien appelé. Le pasteur dit, faut bien écouter. Parce que vous, là, vos bouches là, ça vous met dans le problème. Le pasteur dit, il allait chez vous. Il a dormi chez ton mari. Quand il s'est réveillé, il a dit, tu es sorcière. Et c'est comme ça, ton mari t'a dit, je t'envoie ici. Tu sais pas comment il s'est passé? C'est ce qu'il a dit. Hein? Oui. Mais pourquoi maintenant tu dis, c'est toi qui t'es réveillé, qui t'es réveillé avec vous? Il est comment tu rends ça joli.
Tu es certainement joli, monsieur Béli. Mon mari, ça va. Le mari, viens le délivrer. De quoi, sorcellerie? Oui, il faut partir. Et puis ton mari va délivrer, il faut partir. Est-ce que tout ce que tu viens de me dire là, tu as dit ça à ton mari? Mon mari, ça. Il sait tout ce que tu as dit là. Il sait que tu as tué 100 quand même. 160 personnes, il sait. Hein? Oui, papa. Ah, il sait que tu as tué 160 personnes. Oui. C'est un poulet là-bas qui est en train de faire coin. C'est pas un poulet là qui pleure, là, qui chante là-bas. Je vous demande. Oui, c'est ça. Oui, papa, c'est ça. Ah, janvier arrive, hein, il a poulet. Ça veut dire qu'il est 1h du matin, bientôt 30. Ils savent, tiens, ils connaissent les heures, tout ça, c'est stratégique. Ok. Donc ton mari, il s'est abonné, il sait que tu as tué 160 personnes, il sait ça. Oui, papa. Il sait que vous avez fermé l'école. Il sait. Oui. Il sait que vous avez fermé l'hôpital. Oui, papa. Et puis lui, il fait quoi? Il a fait quoi? Il a appelé l'homme de Dieu, ils ont prié. Ils ont prié pour ça. Maintenant, ils sont en train de pousser. Et pour qu'ils vont ouvrir. Bon, il a appelé les hommes de Dieu, ils ont prié. C'est pas ça? Oui, est-ce que c'est ouvert? Ils sont là-dessus dans 2 jours. Oui, ou non? Ouvrir, c'est ouvert? Par l'esprit, oui, oui. Ils ont prié. Hein? Oui, ils ont prié. Non, on a ouvert. Qu'est-ce qu'elle dit là? Papa, il a dit. Est-ce que c'est ouvert? Oui, papa. Ils ont ouvert l'école, c'est construit? Non, l'école n'est pas encore construite. C'est à l'hôpital. L'hôpital. Ils ont ouvert l'hôpital? Ils n'ont pas ouvert d'abord. Mais le cardinal, là, on a. Alors, s'il te plaît, pourquoi tu joues quand même? Ils ne travaillent pas d'abord, mais c'est peut-être en a ouvert le cardinal. On a bouclé là, on a ouvert. Hein? Les hommes de Dieu se sont réunis ensemble, puis ils ont prié. Mais est-ce que quand les hommes de Dieu priaient là, toi, tu allais leur dire que c'est vous qui avez fait ça? Non, papa. Pourquoi? Gagner la matière de sorcellerie à l'acta, gagner là, c'est quel dans le matou là pour ça? Gagner là, quel est? Gagner là, premier. Gagner là, premier. Sorcellerie. Voilà. J'ai fait exprès pour te poser la question. Gagner là, premier. Oui, papa. Pourquoi gagner là, premier? Il y a des sorcières beaucoup là-bas. Sorcières, sorcellerie. Non, ça veut dire pourquoi c'est premier? C'est premier comment? C'est premier parce que les sorciers de là-bas sont très forts. Tu peux arrêter ta comédie là. Parce que vous avez 4 jours du marché. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, les 4 jours là. Voilà. Parce que les sorciers, ils ont 2 jours. Vous avez 4 jours de marché. Vous vendez toujours bien de l'homme, 4 jours. C'est pour ça que Gagné est puissant. Et Gagné là, vous vendez. Le pouvoir mystique. Tu as quoi à me dire? Papa, au côté de mes enfants aussi, il a gâté la vie. Tu as gâté la vie de combien d'enfants? Ils sont 4. Et ton mari? Papa, mon mari, là, il n'a rien gâté pour lui. Il t'a peur de lui? Mm-hmm. Ah, tu le connais? Mm-hmm. Tu as gâté quoi, ce ton mari? Papa, il n'a rien gâté pour lui. Tu es sûr? Oui, papa. Ah, tu es en train de me mentir?
Tu es en train de mentir. Tu as gâté quoi sur ton mari? Papa, il n'a pas. De son côté, là, il n'a pas gâté quelque chose. Ah! Tu es sûr? Oui, papa. Il peut parler? Oui, il faut parler. Arrête de parler. Oui, papa. Oui, tu veux réfléchir pour parler. De parler ou bien c'est toi qui dois parler. Papa, à côté. C'est un mot qui fait. Non, si il a oublié de parler. Sinon. Pardon? C'est lui-là, vraiment, il ne sait pas. C'était un gâteau, papa. Ah, ben, tu n'es, il n'est plus garçon trop fort. Ah, moi, il est enfanté encore. Sa femme, c'est sa femme, puis il a donné le mari. Il dit qu'il ne faut plus, il va rentrer dans ma maison. Elle dit quoi? Il dit qu'il ne faut pas le mari pour rentrer encore dans ma maison. Donc, je faisais encore enfant, et puis on s'est séparés. Donc, de cela, un jour, on est couché, il allait taper la porte de sa fenêtre de sa femme, que est-ce que je suis couché? Sa femme dit, il ne sait pas, en tant qu'il était dans la maison. Moi aussi, je n'ai rien dit. Donc, j'étais couché. Et mon cœur me disait d'aller lui demander que, pourquoi tu me cherches. Le cœur dit, ah, il faut laisser. J'étais couché. Donc, en même temps, à ce moment, de la manière elle a fait, et puis il m'a laissé là. Et ça, moi aussi, j'ai dit, ah, c'est bon, faut rester là-bas, c'est bon. Donc, à ce moment, il faisait encore enfant. Donc, il nous a séparés. Elle nous a séparés. Non, vraiment, c'est ça qui est là. Tu as parlé sans que je te comprenne. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Qui l'a compris? J'ai dit, papa. Qui a compris ce qu'elle a dit? J'ai dit. Ah, j'ai dit, c'est combien de fois tu as mis bien? C'est combien de fois? Bien. Sa femme, là, elle avait donné femme à son mari. Faut plus, il va rentrer dans ma maison. À ce moment, je faisais, il enfantait encore. Donc, de cela, on s'est séparés. Maintenant, un jour, il allait taper la fenêtre de sa femme, que est-ce que je suis couché? C'est ça, sa femme dit, il ne sait pas, en tant que j'étais dans la maison. Moi aussi, je n'ai rien dit. De cela, maintenant, elle cherche sa femme. Si l'autre s'en va là, elle l'envoie. Donc, il est avec ses femmes maintenant. Moi, il rentre plus dans ma maison il y a longtemps. Donc, c'est dans ça qu'on s'est séparés. En tout cas, pour lui, là, je n'ai rien fait pour lui. De son côté. Qu'est-ce que tu voulais m'expliquer? Oui, elle a compris ce qu'elle a dit. Hein? Papa, vous avez dit que. Il a gâté quoi? C'est ça, dit non, de son côté là. En tout cas, il n'a rien fait de son côté, il n'a rien gâté là-bas. Et tu as gâté? J'ai dit. Papa. Le monsieur là, que tu dis, c'est ton mari. La nuit, oui. Toi tu deviens garçon. Et puis lui, il est sa femme. Tu fais comme les pédés là. Et puis tu fais l'amour dans son derrière. Et quand tu fais l'amour dans son derrière, son en bas là, il n'y a plus de force dedans. C'est ce qu'il a expliqué. Tu as compris? Oui, papa. Qu'est-ce que tu dis? Non, il dit rien. Hein? Il dit rien, papa. Tu n'as pas fait ça? Il a fait. Bon, maintenant, tout ce que tu as expliqué, c'était pourquoi? Tu es allé au Tchad, tu es venu à Somalie, tu es allé en Afrique du Sud, tu es parti à Zoumoué, tu es allé à tout le pleu, à 20 ans, tu es venu à Divo. C'était pourquoi? Excuse-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Qui est venu avec elle?
Qui est avec elle ici? Elle est avec qui? Mon fils était là. On lui a appelé légèrement. Mais qui est là actuellement? C'est celui qui est là. Son fils allait. Le pasteur dit lui aussi, il est parti. Il est parti? Oui. Et dis-toi pourquoi? Ah. Il dit qu'il voit que lui-même, il avait déjà fait sa délivrance, donc il ne sait pas pourquoi il est ici, donc lui, il s'en va. Il dit quoi? Il dit qu'il avait déjà fait la délivrance de la dame là. Pourquoi elle est venue ici, donc lui, il ne sait pas, donc il s'en va. Il n'a pas compris. Il dit que lui, il avait déjà fait la délivrance de la dame là. Mm-hmm. Donc pourquoi elle est venue ici, lui, il ne sait pas, donc il s'en va. Mais qui l'a envoyé? La dame, elle est venue d'elle-même d'abord. C'est deux jours après que son fils est venu. Quand son fils est venu, et puis bon, ils l'ont appelé dirigeant parce qu'il est président de COGES, de l'école là-bas. Donc, il est reparti. Là, passé encore, il est venu. Quand il est venu, il était malade, donc il est reparti encore. Il ne se sentait pas et bien. Et donc, le pasteur n'est pas d'accord qu'elle soit là? Non. Pas, ouais. Pas celle-là. Papa? Le passé là, il m'a rien fait. Il t'a rien fait. Papa, il faut m'aider. Le passé n'a rien fait, puis il crie ici. Il dit il ne rentre pas ici. Il dit, mais tu es venu, pourquoi tu ne veux pas rentrer? Il dit, il ne peut pas rentrer. C'est ça, il dit, il n'a qu'à partir. Donc moi, je suis venu. Ah, donc ce n'est pas le pasteur là qui dit de venir? Non. Ah, parce qu'il a parlé la dernière fois, il dit, c'est lui qui t'a conseillé de venir. Non, il m'a accompagné. Je lui ai appelé de venir. Mais ce n'est pas lui qui m'a dit de venir, moi-même. Ah, toi, tu es venu de toi-même. Mm-hmm. Je lui ai appelé pour qu'il soit là. Et puis, il est venu, dit qu'il m'a fait délivrance. C'est ça, il dit, donc, il faut partir. Mmh. Donc, parce qu'il a fait délivrance. Or, toi, tu sais que tu es dedans encore. Il n'est pas délivré. C'est ça, il dit, il est venu pour que... Papa va m'aider, mais donc tu dis, donc il faut partir. Là, il est parti. Ah, donc lui dit, il faut partir. Toi, tu dis, non, tu n'es pas délivré. Lui dit de partir. Uh-huh. Je dis, il ne peut pas aller. Donc lui veut que tu quittes ici, tu partis chez lui. Voilà. C'est ça. Or, toi, quand tu dors, tu vas manger la nuit. Il ne veut pas maintenant, il ne veut pas faire. Donc Foufou, elle vient de poker. C'est ça, il dit, il n'a pas parti. Ah bon? Ah, il parlait fort ici, comme si c'est lui qui t'a pas venu. Il parlait fort, c'est ça, il dit, si tu n'as pas venu m'aider là, donc il faut partir. Donc, pasteur, il t'a pas délivré? Non, il n'a rien fait. Mais... Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Mais il a fait prière là, mais après il me voit toujours dedans, papa. Donc c'est toi-même qui es venu? Voilà. Comment tu es venu? Qui t'a dit de venir ici? Papa, il a compris votre vie dans le truc là. C'est ça, dans on m'a conduit, il y a une fille, elle est de Doko. Elle est de Ire, c'est un village qui est Ire. Donc, on m'a dit c'était Zahir. Donc, ce n'est pas pasteur là qui a dit que tu es sorcière. Non, lui, il n'a pas de sorcellerie. Ah, lui, il n'a rien vu. Mais pourquoi il dit que c'est lui qui a vu? Non. Il dit, lui, à celui, dit, il a fait prière sur moi, que je suis délivré. Qu'est-ce que je suis venu chercher? C'est ça, il dit non. Bon. Je ne suis pas délivré. Donc, quelqu'un qui n'est pas délivré, quelqu'un qui n'est pas délivré, quand tu dis elle est délivrée, forcément. Ah. C'est ça, il dit, il ne s'est pas délivré. Là, il est en train de crier, c'est ça. Maintenant, il dit, donc, il faut partir. Et là, c'est là, il est parti. D'accord. Sinon, il a parlé avec lui la dernière fois, tu sais ça? On a parlé, il était gentil. Il dit, non, c'est lui. Tant, tu veux qu'on soit, tu... Voilà. Donc, quand il est venu dans le village, c'est seulement, il est rentré. En tout cas... Ah, donc, quand il est venu faire quoi au village là-bas? Il dit que Dieu lui a amené pour faire camp de prière. Ah, Dieu l'a envoyé faire camp de prière chez vous. Voilà. Et donc, il est tombé chez ton mari. Uh-huh.
Donc il attend avec nous. Vraiment, quand il, parce qu'il lui a pris lui-même, il sait que vraiment, et ça il est venu directement. Maintenant, il dit, ah, voici à faire. Lui, il se trouve qu'il a fait des gens, c'est là. Pourquoi il ne veut pas rentrer ici? Et ça, il dit, mais quand il t'appelait la femme, il dit, je ne peux pas aller là-bas. Et puis, tu es venu. Tu dis, tu ne peux pas rentrer ici. Il est sorti. Écoutez, on a parlé sérieusement, posément. Oui. Oui. Il a bien parlé, maintenant, après, il a changé. Voilà. Or, toi-même, tu sais que si tu t'en vas, tu vas manger encore. Si tu n'es pas délivré, tu vas manger. Voilà. Alors que ça ne m'arrange pas. Il ne veut plus. Mmh. Donc, en fait, là, vous avez attaché les gens pour manger. Oui. Il y a bien, vous avez attaché, non? Mmh. Vous avez attaché qui? Mes enfants. Quel enfant tu as attaché? Celui qui t'envoie là. Tu es venu à toi là. Mmh. Vous allez manger quand? En décembre. La fête de décembre. Hein? La fête de décembre. Oui, manger. Mmh. Mais maintenant, je comprends. C'est le pasteur lui-même, il ne veut pas que tu sois délivré. Mmh. Et puis, c'est ça aussi. Quatre personnes. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Papa, je veux que tu me aides. De te libérer. Oui. Ok. Je vais t'aider. Voilà. Chacun a sa grâce. Moi, je ne le dénigre pas. Je ne suis pas dénigré. Je ne suis pas là pour parler des gens. Sinon, la dernière fois, on a bien parlé. Il m'a dit, c'est lui de t'aider. Il m'a dit de t'aider. Donc, moi, ce n'est pas moi de dénigrer quelqu'un. Voilà. Si après, il a changé. Or, c'est toi-même. Or, quand il me parlait avec moi, c'est comme si c'est lui qui t'a fait venir. C'est ça qu'il disait. Toi, quand tu m'as dit c'est toi-même qui est venu, au départ, il dit non, c'est pas toi-même, c'est le pasteur qui t'a fait venir. Mm-hmm. Maintenant, tu as bien expliqué. Mm-hmm. C'est quand tu es venu, tu l'as appelé parce que c'est ton père spirituel. Voilà. Pour lui dire, viens voir, parce que quand tu as prié là, je m'en vais là-bas pour manger à Kiki, plala, sort, plala, pied de coq. Mm-hmm. Donc, il faut venir encore pour qu'on me délivre. Mm-hmm. Donc, il est venu voir. Voilà. La dernière fois, c'est, je sais pas si c'était dimanche, non? Oui, avant. Mm-hmm. C'était dimanche. Voilà, c'était le dimanche, bien sûr. Ouais. Donc, le dimanche, j'ai parlé. Mmh. Il a dit, c'est lui qui avait sa potion, que tu es là. Mmh. Donc, on pouvait te t'aider. Mmh. Il ne savait pas qu'il y avait des petites choses. Moi, je ne délivre pas les gens. Mmh. C'est pas mon... Non, je ne parle pas mal des gens. Mmh. Et puis, ce n'est pas à moi de juger un homme qui s'appelle un homme de Dieu. Mmh. Ce n'est pas à moi de le juger. Mmh. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. C'est ça. Voilà, je ne suis pas plus fort que quelqu'un. Mmh. Celui qui est fort, c'est Dieu. Dieu. Moi, je reconnais la puissance de Dieu. Mm-hmm. Je sais que lui seul est capable. Donc, je n'ose même pas dire une mauvaise parole. Mm-hmm. Je n'ose même pas prononcer quelque chose. Mm-hmm. Alors, toi aussi, il faut oublier tout ce qui s'est passé avec ce pasteur-là. Mm-hmm. Oublie ça. D'accord. Je vais t'aider. D'accord. C'est tout. Mm-hmm. Enfant de Dieu, tout ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là, mm-hmm. tout ce qui s'est passé, oublie. Mm-hmm. Moi, je vais t'aider. Je ne dis pas il est faux ou pas. Mm-hmm. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi de dire quelqu'un est faux ou vrai. Non. Non, c'est pas à moi de juger quelqu'un. Je n'ai pas ce pouvoir de juger et c'est pas à moi de juger quelqu'un. Mm-hmm. Tout ce que je peux faire, c'est de t'aider. Mm-hmm. Si c'est mal comporté, pardonne-le. Il faut lui pardonner. Oui. Voilà, il faut lui pardonner. Il ne faut plus garder ça dans ta tête. D'accord. Et moi, c'est pas à moi de juger. Mm-hmm. Voilà. Il peut avoir peut-être un comportement qui n'est pas peut-être juste, mm-hmm. mais c'est pas à moi. Je n'ose même pas dire petite chose mm-hmm. parce que c'est pas à moi de dénigrer quelqu'un. Mm-hmm. Voilà, je ne peux pas dénigrer une personne. Parce que je suis serviteur, enfant de Dieu. Mmh. Un enfant de Dieu, il bénit, il aide les gens, il ne parle pas mal des gens. Mmh. Si c'était d'autres personnes, j'allais garder son nom, tu chutes. Non, moi, il ne garde pas le nom des gens. Mmh. Il est ce qu'il est. Mmh. Voilà, il est ce qu'il est. Mmh. Alors, moi, je le laisse. Mais ce que je retiens, c'est qu'il faut écouter qu'on t'aide. Quand toi, tu as besoin d'aide, tu es resté. Mmh. Tu dis, lui veut te faire partie, toi, tu es resté. Mmh. Tu dis, si il m'en vais, je vais manger. Alors, moi, je suis prêt à t'aider. Mmh. Donc, tu es venu de toi-même. Oui. Parce que moi, je ne te connais pas. Hein. Mmh. Moi, je ne te connais pas. On ne s'est jamais vu. Oui, c'est papa. Toi qui es venu. Mmh. Et tu veux être aidé. Oui, papa.
Ok, lève tes mains, je vais prier. Ne demande pas que tu chutes. Je prie, Seigneur, parce que la puissance de ton esprit, j'ai foi que cette dame qui s'est dépêchée depuis le village, cherchant sa délivrance, parce qu'elle a besoin d'être libérée, que ton esprit la touche. Touche-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Que ton esprit la touche. Là où tu as arrêté, la puissance de Dieu te touche. Cet esprit qui t'anime, qui te poussait à la sorcellerie, qui t'a mené détruit, je commande à ce démon de te quitter ton corps. Parce que la distance n'est pas une barrière pour l'action de Dieu. Il est le maître des temps et des lumières des circonstances. La distance, il est omniscient, omniprésent. Il est là où tu es là-bas. Moi, depuis la France, je commande à l'esprit de partir. Et tous ceux qui vont suivre cette vidéo, que la puissance de Dieu nous libère. De là où vous êtes, l'esprit vous localise et l'esprit sort de vos corps. À le sort d'elle, puissance des ténèbres. Je chasse ce démon. Sors d'elle. Maintenant, va. Voilà, va-t'en. Va-t'en, allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Maintenant même. Je chasse ce démon-là. Je le chasse. Quitte. Quitte. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Maintenant même. Maintenant même. Allez, va-t'en. C'est un ordre, quitte sa vie. Va-t'en. Ce soir, tu pars. Cette nuit, tu pars. Tu vas quitter sa vie. Tu es là, tu vas partir. Tu vas partir de sa vie. Va-t'en. Sors d'elle. Va-t'en. Sors d'elle. Allez, va-t'en. Sors d'elle. Allez, va-t'en. Va-t'en. Le feu te touche là où tu es. Le feu te touche là où tu es. Va-t'en. Va-t'en. Sors d'elle. Sors d'elle. Voilà, la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. L'esprit te touche. L'esprit te touche maintenant. 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 Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte-la. Tu m'entends? Quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu vas partir maintenant. Tu vas partir et maintenant. Tu vas partir et maintenant. Tu vas partir et maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle. Je brise ta résistance. Et tu pars. Tu vas partir. Oui, tu vas partir. Elle a décidé d'abandonner cette voie. Jésus la sauve. Sors d'elle.
puissance des ténèbres. Femme, reçois ta délivrance maintenant. Reçois. 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 Le feu. Le feu sur toi. La puissance de Dieu. 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 Je chasse ce démon maintenant. Démon sort d'elle. Va-t'en. 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 Tu m'attends? Va-t'en. Va-t'en. L'heure sonnée pour que tu quittes sa vie. C'est le temps. Le temps de Jésus a sonné. Elle a décidé d'abandonner cette voie. Va-t'en. Tu es là et plus bagage et va. Sors d'elle. Sors d'elle. Elle n'a plus besoin de toi dans sa vie. Puissance des ténèbres. L'esprit du dragon. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors d'elle. Oui, sors d'elle. Voilà, sors d'elle. Va. Va. L'esprit en train de partir. L'esprit en train de partir. Le démon en train de sortir. Voilà, sors. Le démon en train de sortir d'elle. Voilà, l'esprit du dragon. L'esprit du dragon. Allez. 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 Voilà. Allez. 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 Voilà. L'esprit du dragon. Va-t'en. 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 C'est un ordre. Va-t'en. Va-t'en. Oui. Va-t'en. Va-t'en. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pendant que je prie pour l'esprit, je vous localise. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, la puissance de Dieu vous localise là où vous êtes. Et le pouvoir et la main de Dieu vous débarrassent de tous les esprits sataniques qui ont le regard sur vous. La puissance de Dieu vient jusqu'à vous. L'esprit du dragon sort de sa vie. Sors, allez. Va. Allez, va. Allez, va. Oui, va-t'en. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu m'entends, sors d'elle. Maintenant même. Allez, va. Tu pars. Tu pars, la puissance de Jésus te déloge. La puissance de Jésus te déloge. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez, reçois le feu et la puissance de Dieu. Reçois ce feu et la puissance de Dieu. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez. Allez. La puissance de Dieu. Sors d'elle. Voilà. Pousse ton cri et va. Pousse ton dernier cri et va-t'en. Quitte sa vie à une fin. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Voilà, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Va-t'en. 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 La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez, va-t'en. Va-t'en d'elle. Sors. Sors. Va.
L'Esprit de Dieu te touche. L'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Maintenant, te touche. Te touche. Te touche. Te touche. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Allez. Tu pars. Tu vas partir. Je te sens en train de partir d'elle. Allez, va-t'en, sors d'elle. Voilà, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. 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 Voilà, va-t'en. Au nom de Jésus, sors d'elle. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Oh! C'est fort, la puissance de Dieu. Allez, sors. Sors, libère-la, 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 libère-la. Voilà, reçois, reçois, reçois le feu de l'Esprit de Dieu qui consume tes œuvres dans ce corps. Reçois, 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 va. Voilà, va-t'en. Je compte à toi et tu pars. Je compte à toi et tu sors d'elle. Je compte à toi et tu pars définitivement d'elle. 1, 2, 3. Voilà la fin de ton règne. Je proclame la fin de ton règne. La fin de ton règne. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Définitivement, je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Touche ton dos, Pasteur Serge. Reçois. Amen. Amen. Regarde-moi. Ça va? Ok. Qu'est-ce que tu as senti? Parce que j'ai senti que tu es délivré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour elle? Quelque chose qui marchait dans mon corps pour sortir. Elle dit quoi? Quelque chose marchait dans mon corps pour sortir. Hein? Quelque chose marchait dans mon corps. C'est comme le curé sauvage, volant. Voilà. Voilà. C'est sorti de toi. Allez. Que Dieu te bénisse, va t'asseoir, te délivrer. Que je prie pour vous. J'ai prié que l'Esprit vous localise là où vous êtes. La puissance de Dieu vous localise. Je commande à la maladie. Je commande à la maladie. Je commande à la maladie. Dans le ventre. Le ventre. Au nom de Jésus. Tout pouvoir mystique dans votre ventre. Tout ce que le diable a mis dans le ventre. Tout ce qu'il a mis dans le ventre. Dans les reins. Au nom puissant de Jésus, que ça soit devenu le cancer, le sein, je détruis tous ces pouvoirs. Au nom de Jésus, toute forme de blocage dans votre vie maritale, dans vos foyers, dans vos commerces, tout ce que l'ennemi a bloqué, je brise tout ça. Pendant que je prie, reçois là où tu es,
ta délivrance. Amen. Une force de Dieu tombe sur vous. Recevez l'onction là où vous êtes, là où tu es maintenant. Quelque chose se produit dans ta vie. L'onction te touche là où tu es, là où vous êtes arrêté, là où tu es maintenant arrêté. L'Esprit de Dieu te localise. Recevez la délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Les démons partent de vos vies. Recevez la délivrance. Maintenant, je chasse tout esprit de mort. Je détruis tout esprit de mort. Je chasse toute présence qui ne glorifie pas Dieu dans votre vie. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu sort de votre vie. Je maudis toute présence qui n'en a pas le Seigneur. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. La main de Dieu vous sauve. Cette main de Dieu vous guide. Cette main de Dieu vous libère. Recevez cette grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Je vous communique la main de Dieu. Je vous communique cette puissance de l'Esprit de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus.